de la Monster. J'roule dans un Monster. Je suis fâché avec la vie. Eh bien, yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce dragon, quoi. Franchement, je suis dégoûté. Je l'ai acheté quoi? Je l'ai acheté 70 millions. On est sur bêta, hein. Et, putain, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. Je vois pas bien ma Yopette, donc, ouais. Je suis déçu aujourd'hui, les gars. Je vais vous présenter un stuff haut qui m'a été envoyé sur Snapchat. Voilà. Je vous avais demandé un petit stuff haut. J'en ai eu plusieurs. Alors bon, j'ai décidé de prendre celui-ci. Je crois que c'est Lorenzo qui me l'a conseillé, donc gros big up à toi si jamais tu regardes cette vidéo. Et donc c'est un stuff haut qui est quand même assez classique mais qui a de bonnes résistances et surtout un gros rocks. Et la particularité de cette vidéo c'est quand même, j'ai envie de tester le Yop haut parce que depuis la mage justement sur les variantes tout ça, bah maintenant on peut jouer Yop haut. Donc on a trois sorts haut, je vais vraiment vous les présenter très très rapidement et ensuite... Je vais vous proposer du colis 1v1. Donc on a déferlement qui, en fait, on va se rapprocher justement de l'ennemi de 4 cases. Donc c'est à 5 de PO, c'est vraiment énorme. Et justement, cette particularité pour ceux qui ne connaissent pas le Yop haut, c'est qu'à chaque fois que vous allez taper avec un sort haut, vous allez gagner des points de bouclier. Donc vous allez voir, c'est vraiment du mode tank rock. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on a Fandoir. Bon, ça c'est 5 PA. Ça c'est pareil. Ça c'est la variante d'épée divine. J'ai pas trop compris. Il y a aucun rapport. Bon, épée divine, c'est surtout utilisé en tant que sort de boost. Sauf pour le Yop Air, bien sûr. Qui tape également avec pour 3 PA. Ça fait vraiment mal. Et par contre, le dernier sort haut. Alors là, je suis dégoûté. Je suis blasé encore une fois. C'est de l'incompréhension. Pourquoi endurance? C'est la variante de vitalité. Il n'y a aucun rapport. C'est un sort, enfin, c'est vraiment un sort plus ou moins de protection, vitalité, même si en soi endurance, encore une fois, c'est un sort haut. Et donc les sorts hauts, tout simplement, donnent des points de bouclier. Donc voilà, bon. Alors je me suis fait voilà un mode Rox, voilà, juste un mode Rox pour le moment. Et je me suis également fait, alors ici dans l'ensemble, pour ceux qui ne savent pas, on peut créer toutes sortes d'équipements en même temps, de variantes et de stats en même temps. C'est vraiment juste énorme ce mode là. Donc là j'ai juste deux modes, le mode Rox ici et le mode PVP avec un Dofus Emerald, un Dofus Abyssal. Alors j'ai pas mis de coco dessus parce que franchement les emplacements j'en ai très peu. Je sais pas quoi bouger, peut-être le nébuleux si jamais je dois mettre un de coco, mais voilà. Donc je vais vous montrer le Rox, juste un petit pouce. Donc voilà les petites résistances les gars. C'est vrai que niveau res il y a mieux. Maintenant je suis blindé en res feu. En res terre et air c'est assez faible. En res neutre c'est correct. Par contre en res haut, bah voilà. C'est un peu le problème de ce stuff quoi. Bon alors du coup voilà, j'ai mis stuff classique, je vais vous montrer le petit Rox hein, bien sûr. Donc ça c'est 3 PA, hein, déferlement. Et ça franchement, ça c'est énorme parce qu'en fait on peut le faire deux fois et ça nous attire. Franchement c'est magnifique ce soir là. De toute façon je vais vraiment essayer de montrer les capacités du Yop haut en colis, franchement ça peut faire extrêmement mal. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'on a évidemment le bouclier du Captain Amakna qui permet de roxer au corps à corps. D'ailleurs regardez moi ce bouclier, oui il manque 1% dommage mêlé. Qu'est-ce que c'est que ce G absolument dégueulasse. C'est ce que j'ai sur Ophi. Donc ensuite on a Fandoir, c'est le sort à 5 PA. Et en fait voilà, donc qui tape quand même assez fort, hein, qui monte très clairement à 1200. Et ça c'est sans boost, hein, tout ce que je vous montre c'est sans puissance. Endurance c'est pareil, voilà, ça aussi ça tape en donnant des points de bouclier, c'est vraiment énorme. Par contre ça c'est 4 PA, donc c'est vraiment pas mal en termes de points de bouclier. Maintenant je peux vous montrer également le corps à corps, en boosté bien sûr cette fois. Et donc voilà, ça monte à 1400, c'est pas dégueulasse, voilà. Bon, je peux vous montrer également déferlement pour 3 PA, le sort de tout à l'heure, cette fois-ci on est boosté les gars. Donc franchement, regardez juste les dégâts en prévis, ça monte vraiment bien. Et ce qui est énorme les gars, c'est que, voilà, c'est tout le temps des points de bouclier en plus, et c'est ça que j'adore. Du coup les gars, je fais une mini pause, et puis bah, on va chercher le petit colis 1v1, je vous dis à tout de suite. Ok, relayez, donc a priori le colis... Voilà, j'ai trouvé le colis rapidement. Donc, j'ai mis un mulot. Vous allez comprendre pourquoi. C'est simplement parce que j'ai voulu mettre un peu plus de place hein, concernant les trophées. Bon, bah là, on tombe contre un sacri. Donc, c'est une bonne chose qu'on tombe contre un sacri. Du coup, il n'y aura pas de coco. Voilà, on va la jouer full bourrin. Un abyssal ou pas? Franchement, j'hésite. J'ai envie de la jouer tellement Rox. Même le Dofus Ocre, quoi. Est-ce que je mets un remur ou un Dofus Ocre? Ouais. Bon. DDG, ocre, je sais pas les gars, je sais pas. Bon, là j'aurai un peu plus de res, donc c'est pour le PM et les doubles res. Là vous allez voir, c'est un stuff vraiment très correct.
Le 2 coco. Bon, est-ce que je mets le 2 coco ou pas? Ouais, vas-y. Non, non, non. Je le mets pas. Donc regardez quand même les résistances et ce skin qui est pas dégueulasse. J'aime bien. Franchement, j'adore la couleur que j'ai mis sur ma yuppette. D'ailleurs, j'aurais dû régler à nouveau les colorivants, franchement. Parce que je préfère en solo monk. Alors, je regarde juste les restes du coup. Oh, bon, 31%. Bah voilà, c'est l'élément où je tape. C'est là où il y a le plus bon. 31, ça va. Il y a largement pire. Alors, sacrière. Alors, par contre, lui, hop, oh, alors, est-ce qu'il faut que je rush? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, je peux pas faire de vitalité, je peux pas faire d'épi divine, endurance, ouais, franchement. Maintenant, je vais tenter un truc, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai... Bon, après... Ouais, ok, ok, bon, bah, ça me donne des points de bouclier, ok, why not, pourquoi pas. Déferlement, bah là, je peux pas le faire. Ah, je vais peut-être faire la maîtrise dès maintenant. Là, franchement, c'est sympa, voilà. Petite endurance, là. Bon, s'il me rush, franchement, je lui fais du sale. Bon, là, il est clairement en train de se booster. ouais. De toute façon, moi, là, je vais clairement puissance. Je vais même me donner des points de bouclier, justement, Fandoir. Alors, je crois que c'est endurance qui donne vraiment... plus de points de bouclier. Hein. Tout à l'heure, vous avez pu apercevoir. Il me semblait que j'avais gagné 250, quelque chose comme ça. Bon, là, il me tape un poids. Ouais. Tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, endurance, voilà. Donc là, ça me donnait 267 points de bouclier, alors que tout à l'heure, je crois que ça m'avait donné que 150 avec déferlement, quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, franchement, j'ai même pas envie d'invoquer. Parce que j'ai envie que le sacré vienne me taper. Allez, viens. En plus, j'ai mis un Dofus pour... Ah là, oh non, on part pas. Il a peur. What? C'est 100 LDV maintenant? Ok. Ah d'accord, il est terre aussi. Il tape fort. Ah mais il en est bu ou quoi là? Non, même pas, bon. De toute façon, je te chope. Regardez-moi ça. Et c'est ça qui est une scène. Boum, je le ramène ici. Alors est-ce que je... Non, franchement, j'ai plutôt envie de jouer avec les sorts. Du coup, là, on a... Ok, ouais, bah je peux faire deux Fandoir. Non, plutôt un Fandoir. Et deux déferlements, je viens déjà de le faire. Mal joué pour le coup. Ouais. Je peux le duel. Est-ce que je le duel? Est-ce que je le duel? Ouais, je le duel. Allez, je te duel. J'ai l'impression qu'il avait envie de fuir. Ah, il tape. Oh là là, mon dieu. Ok, bon. Bah écoutez, les gars, j'ai cru qu'il était feu. Mais en fait, c'était juste pour se booster, mais il tape très fort. Ouais. Gros GG à lui en tout cas. Bon bah, tant pis. J'ai voulu rusher, bah je me suis pris une grosse carotte dans les dents. Et c'est vrai que le tutu, finalement, vous savez quoi, allez. L'abyssal, on oublie. L'émeraude, on oublie. Franchement, là, je vais très très clairement, les gars. Là, je vais la jouer full rocks. Hop, je m'en fous de l'émeraude. Là, je vais la jouer full rocks. Là, c'est bon. Pas de pitié. Nomade, j'enlève l'émeraude. Franchement. Ok, on tombe contre un Yop. Bah voilà, c'est ce que je veux aussi. Bon, le sacri, c'est ce que je voulais. Finalement, jouer sacri, c'est bien. Parce que au moins, on est au corps à corps. Mais ce sacri-là, en fait, il tapait très très fort. Et même à distance. Ok, donc là, cette fois, on a 1200. Bon, quasiment de chance. Ouais. Alors le tutu du coup je laisse hein, on est d'accord. Allez, je m'en fous de l'émeraude. Ok, il a 18% résistance. Oh franchement ça sent le tour shot. Il est en nébuleux. Bon ça m'étonnerait qu'il soit haut, lui il doit être multi. Hein. Voilà, ouais, du destin, voilà. Du classique. J'ai 41% feu. Donc, ouais, bon, par contre il a une vitalité. Putain franchement j'ai envie de le rusher. Alors 3, 4, 5, 6, non. Je pense que je me ferais péter les dents. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je vais quand même le rusher, allez. Je gagne des points de bouclier. Endurance, c'était 4 PA, j'aurais pas pu le faire. Ah, je vais quand même mis du moins 1000 dans la gueule. Donc il a plus que 3600 maintenant. Bon, s'il me fait mal, je vais pas trop apprécier non plus. Hein. Vous savez, les gars, ça tape tellement fort de nos jours. Aïe aïe aïe, double d'aguerri, c'est ça, non?
Eh, j'ai pas le droit de perdre contre un gars en Daguerre. Hein. Moi, j'ai joué à Daguerre il y a pas si longtemps. Eh ben non, l'arpel, ok, ok. Ok, why not? Ouais. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il me... J'ai peur qu'il me tue. Bon, je mets même des points de bouclier. Je sais pas s'il m'a au cac. Non, il manque un de PO. Ouais. Enfin, un PM, quoi. Bon. Je pense qu'il va pas venir. Ah, si. Ouais, non. Il vient à moitié. Ah, j'aime pas ça. Ah, là, 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 là. Ah, j'aime pas quand les gens viennent... Oh, là, 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 là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Mais qu'est-ce que tu nous... Non, non. Oh, t'as pas le droit. Non. Mais non. Non, ça, je pense qu'il doit pas être au... Il doit pas être au courant. ouais. Ah, Fandor, ça tape tellement fort. De toute façon, là, j'ai plus le choix. Ouais, je vais faire Fandor. Ah, c'est énorme. Oh, les dégâts, là, par contre. C'est vraiment pas dégueulasse. Surtout qu'il a fait une vitalité. Elle a fait une vitalité. Et sa Vita va tomber, en fait, au prochain tour. Donc, si jamais elle refait pas de Vita, bah, c'est ciao, bye bye, hein. Zénith, ça fait mal, ça sent la pression. Non, l'inti. Mais je sais pas si elle est au courant qu'elle a une vitalité qui tombe. Mais je pense qu'elle va bien fuir là et je pourrais pas. Ouais. Je pourrais pas taper assez. Moi j'ai pas de vitalité, hein. C'est ça qui est très frustrant. Je sais même pas. Elle a pas fait précis en plus. En soi, et franchement, je finis. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai dit, on finit. Voilà. Oh putain, en plus je crois qu'il lui restait très très peu de points de vie. Bon bah les gars, allez. Pour vous faire plaisir, on est parti pour un troisième colis d'affilée. Le troisième, le dernier je pense. J'aime bien jouer Yopette maintenant. Bon. Ce qu'il y a mieux comme stuff, je pense largement. Surtout en termes de rocks. Bon, en termes de rocks, je sais pas si je vous avais montré les stats. Bon, j'ai quasiment du 1200. Bon. 1100, 1200 chances, voilà, bon. Bon, est-ce que je joue tutu, quoi? Ça, c'est des questions que je me pose. Vous savez quoi? On va essayer de faire un tour où on va monter à fond en point de bouclier. Et du coup, bah, il faudrait que je mette le 1000 pour avoir le PM. Un peu plus de res. Ouais. Le ocre aussi, ouais. L'ocre, pourquoi pas. Émeraude pour... Ok, bon. Toujours pas de coco, voilà. Je dis toujours que de coco, c'est la... Oh non. Je vais pleurer, les gars, mais je vais pleurer. Je vais le rusher. Ouais. Je sais même pas si je l'ai. Non. Attendez. Si jamais je fais déferlement... Ah ouais, il y a moyen que ça marche sur une petite cabouette. Aïe, 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 les gens, ils ont pas le droit de jouer comme ça. Vous avez pas le droit de la jouer comme ça. 50% haut. Comment il savait que j'étais haut, lui, d'abord? Ah, je pense qu'il a dû le voir. Eh oui, non, mais... Il a dû très clairement le voir. Ah, j'aime pas. Oh là là. Ça tryhard, là. Ça tryhard. En plus, on est sur bêta. Bon, on tryhard sur Ophi, why not? Pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mesdames et messieurs? Alors, on se donne des points de bouclier. On a proc l'émeraude ou on l'a pas proc? Oui, on l'a proc, mais c'est très faible. On a que 400 points de bouclier. Ah, il est R de toute façon. Hein. Mais il a quand même 50% O. Moi, j'ai que 22% R. Ouais... 9 PA en plus. Il va déjà tout faire péter. Ça m'étonnerait. Ah, ok, ouais. Il va me laisser dedans. Bon, il sait qu'il y a... Ouais, j'ai cru qu'il allait plutôt me bloquer, moi. Bon. Ouais. On fait tout péter, hein. On se prend pas la tête. C'est vrai qu'en fait, il m'a quand même bien roxé, cet enfoiré. Regardez-moi ça, 1000 points de bouclier, c'est énorme.
Bon, lui, niveau vita, il baisse pas tant que ça. Hein. Est-ce que j'ai mis tutu? Non. Il baisse pas tant que ça. Trop de raise, à mon goût. Et je pense que j'ai quand même bien fait de tuer ces bombes. Ouais, c'est un Roub qui tape quand même assez fort. Est-ce que je vais pouvoir tanker? Parce que là, sans vitalité, je vous cache pas que... ça risque d'être très 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 compliqué. Bon, la bombe ambulante, comme ça, il me met directement dans le mur. Je sais pas s'il va pas me kicker de PM, quoi, voilà, bon. Ouais. En plus, ça joue de coco, quoi. Hein. Donc, ouais, regardez, voilà, les points de bouclier endurance, ça donne nettement plus de points de bouclier. Je sais plus, d'agglutinante, non, il n'y a pas de regain de vie. Bon, en PB, voilà, on monte à 600. Franchement, tous les tours entre 600 et 900, c'est super propre. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'il manque un peu de rock, je sais pas pour vous, mais 122, bon après c'est normal, là c'est le mode, enfin entre guillemets PVP, quand je dis PVP, je rajoute quelques Dofus, quoi, l'Abyssal, l'Emeraude, quoi, c'est... Mais peut-être que je devrais privilégier le rock plutôt que les raises. Bon bah en tout cas, GG hein, à l'adversaire. Très clairement, je me suis fait rouler dessus, mais c'est pas grave, je voulais juste... vous présenter, voilà, cette petite chopette. Franchement, j'aime bien le skin là, et je me dis que cette couleur, souvenez-vous, hein, bon, sur officiel, je suis tout en vert, ma team est tout en verte, mais finalement, je me dis que le gris comme ça, foncé, bon, on croirait même que j'ai une vraie voile d'encre, alors que non. Je la trouve vraiment stylée comme ça, cette chopette. Bon, par contre, le Dragnir, alors je crois qu'il s'appelle comme ça, hein. Le Dragnir, il est vilain. Franchement, son prix, il est absolument pas justifié. Il coûte 70 millions sur bêta. Il est très très rare, par contre. Bon, après, c'est sur bêta, donc finalement, sur bêta, je m'en fous royalement, surtout qu'elle reboot tout le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous ferai, je pense, là, dans les prochains jours... Faut savoir que j'ai encore des vidéos en rab concernant le PVM, j'ai du Vortex, etc. Je ferai peut-être du colis 3v3, c'est vrai que ça date vraiment. Ça va faire peut-être 2 semaines que je ne vous ai pas proposé du colis 3v3. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense que ce stuff est vraiment pas dégueulasse. Mais qu'il y a mieux. Il y a mieux parce que certes, bon, les résistances c'est moyen, le rock c'est moyen. Bon, enfin le rock c'est bien, mais bon, voilà, c'est sûr que quand on tombe, quand une personne 50% reste haut, quoi. Le type, en fait, c'est sûr, hein, il avait clairement vu que j'étais en pute, parce que, ouais, en début de combat, j'étais en pute, voilà, ça c'est sûr. Ça c'est le fail que j'ai fait, mais bon, voilà, c'est pas dramatique, voilà. Je vous fais de gros bisous, les gars, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Joystick, ciao, bye bye. Un dernier million et je me bats. Frérot, je les supporte plus. Je rêve d'anonymat. Je peux être une star comme n'importe qui. J'arrive de la France poubelle. Je vois transiter un mètre. Ici personne nous aime. Juste bouquet des orphelins. Dans nos vies y'a pas de trêve.